Forum de Montréal, le 4e championnat mondial des hommes forts. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission spéciale de l'univers des sports. Au cours de la prochaine heure et demie, vous vous sentirez peut-être obligé de faire un petit effort, vous aussi, de peut-être déployer un peu de force pour tenter d'aider nos concurrents de la journée. Ils sont 10, ils représentent 5 pays, ils sont 2 par pays, et la force sera à l'honneur. Pour connaître un éventail des forces en présence et une évaluation plus précise, nous allons retrouver nos analystes et annonceurs de la journée, Gérard Potvin et Jean-Marie Jacques. Merci Camille Dubé, bon après-midi tout le monde. D'abord une précision, cette compétition comporte 3 volets, c'est-à-dire individuel par discipline, individuel au cumulatif et une compétition par équipe ou par pays si vous préférez, avec à l'enjeu pas moins de 17 000 $. Jean-Marie Jacques, il y a plusieurs athlètes qu'on connaît, mais il y a surtout des nouveaux visages qui pourraient surprendre. Oui, effectivement, Gérard, on commence à penser d'abord aux Américains, parce que Bill Kazmaier, qui semble être le plus dangereux, en tout cas il l'a fait savoir, a déjà remporté 3 fois le titre de l'homme le plus fort du monde. C'était au début des années 80. Il a eu des problèmes depuis, mais il sera certainement très dangereux, de même que son collègue Shedi. La surprise aussi peut venir des Finlandais, en particulier avec Numisto, qui a des références. Et de ce côté-là, on peut s'attendre à ce que les nouveaux venus créent de l'ambiance. Alors, pour ceux qui sont plus connus maintenant? Bien, évidemment, il y a nos amis islandais, Sigmarsson, qui a terminé 2e l'année dernière, et Arnason, qui me semble être en très gros progrès. Il y a évidemment les Anglais, Mark Higgins, qu'il ne faut pas quand même négliger, c'est le plus grand de la gagne, comme on dit, il fait 6 pieds 8 pouces, avec son compatriote Trigone. Et vous avez enfin les 2 Québécois, qui sont en fait membres de l'équipe canadienne maintenant, c'est-à-dire notre ami Robert Dubois et son collègue Marco Fortier, qui sont tous les deux de la même écurie, entraînés par Germain Bédard du lac Saint-Charles. Je pense que là aussi, il y a un élément qui peut être un élément de surprise. Alors, c'est ce qu'on va vérifier, bien sûr. Mais tout d'abord, retrouvons notre ami Camille Dubé, qui lui a un invité très spécial à vous présenter. Je lui laisse le plaisir de le faire. Merci Gérard, et un invité spécial qui n'est pas un inconnu du monde de la force. Il a d'ailleurs le gabarit de l'emploi et il a déjà fait ses preuves. Il s'appelle Daniel Poulain. Daniel, bienvenue à l'univers des sports dans le cadre de ce reportage. Et j'ai mentionné que tu n'étais pas un étranger du monde des épreuves de force. Tu as déjà fait plusieurs concours du genre? Oui, ça fait 3 ans que je participe au défi Martin. Et mes scores, ils restent quand même. Là, cette année, je n'ai pas pu aller en finale du défi Martin. Il reste des petites complications, c'est normal un peu. Il reste que j'ai un record à faire battre encore à Brouet de 3000 livres. Là, le record est là ce soir. Ils se battent contre moi même si je suis pas là. C'est un classement par groupe d'épreuves que l'on fait. Oui, c'est un classement sur le total des épreuves, les 4 épreuves, sur le total des points. C'est très dur. Il reste que il faut performer dans les 4 épreuves, ce que je n'ai pas fait à Drummondville. Mais tu as une bonne idée de ce que ça prend comme préparation, comme concentration et immédiatement, là, dépense d'adrénaline le jour de l'événement. Oui, c'est terrible, c'est de voir toute la pression qu'on peut avoir sur les épaules quand on est en l'air sur le stage. C'est complètement différent que d'être assis l'autre bord. La pression est très forte. Avez-vous l'impression parfois qu'il y a des spectateurs qui tentent de vous aider? Oui, parce que la foule force, tout le monde force. Quand la foule se lève, c'est parce que ça force. Eh bien, Daniel, je sais que tu as un œil très averti pour ce genre de compétition. Et mesdames et messieurs, tout au cours de la journée, nous aurons l'occasion d'obtenir les observations de Daniel Poulain sur les différents aspects de ce reportage. Et nous allons le rencontrer dans un tout petit moment au lancer de la pierre. Ce sera après cette pause publicitaire. Avant chacun des éléments du concours, j'aurai l'occasion, en compagnie de Daniel Poulain, lui-même un homme fort s'il en est un, de vous parler un peu des différentes caractéristiques de chacun des concours. Le tout premier, Daniel, c'est le lancer de la pierre. Ça semble d'abord pas facile de la soulever. Quel poids, cette pierre? Oui, effectivement, c'est une pierre de 50 livres qui est très difficile à garocher. Soulever d'abord. Oui. Pour le manipuler, les dimensions sont respectables. Oui, c'est très respectable. Ça se prend bien dans les mains. Il n'y a pas de problème là. Ça se tient très bien. C'est compact. Avant d'arriver dans l'aire de lancer, ici, nous sommes dans l'aire officielle du lancer. Vous avez combien de temps lorsque vous avez mis les pieds dans l'aire de lancer pour effectuer votre jet? Aussitôt qu'on a mis les pieds dedans, on a 1 minute pour effectuer le lancer à notre choix. Soit qu'on lance par le côté, soit qu'on lance par en arrière ou un bras. Bon, il y a différentes techniques. Est-ce qu'il y en a une qui s'est avérée plus valable qu'une autre? Oui, la meilleure technique jusqu'à date, c'est le lancer par en arrière. C'est le plus efficace.
Et je constate que nous sommes quand même sur une plateforme assez élevée comparativement à l'aire d'atterrissage de la pierre. Est-ce qu'il y a eu des fois des pertes d'équilibre, des compétiteurs qui risquent de chuter en même temps? Oui, c'est arrivé quelques fois que les gars, dans des lancers spectaculaires, qui perdaient l'équilibre, qui tombaient dans le corps rétard. Est-ce que c'est arrivé, une perte de lancer comme ça, Daniel Poulain? Oui, c'est arrivé une fois. J'avais perdu l'équilibre, j'ai mis le pied en dehors du rond, j'ai été disqualifié. C'est les jeux, c'est la game. Alors, on a l'impression d'abord de soulever la pierre 56 livres, ensuite avec différentes techniques de pouvoir la lancer. Ça, c'est pas en compétition, mais allons voir qu'est-ce que ça donne en compétition avec Daniel Poulain à Drummondville tout récemment. On va assister avec Daniel Poulain à un lancer par projection latérale. Alors, comme vous le voyez, c'est un Peter Treglone de la Grande-Bretagne, portant fièrement le kilt anglais, va effectuer son premier lancer de la pierre. Et c'est très raisonnable pour un premier lancer, Joe Malijac. Oui, ça me semble être un peu haut quand même, et pas suffisamment d'utilisation de la force des cuisses pour une projection beaucoup plus dans le plan horizontal. On a nettement l'impression qu'il s'en débarrasse beaucoup trop tôt. Il est de la Finlande, celui-là, Markku Suonenvirta. Il est âgé de 33 ans, à 6 pieds 2 pouces, 265 livres. C'est l'un de ces nouveaux venus dont on parlait. Oui, c'est sa première apparition dans le défi Marten. C'est un très bon athlète qui a déjà réalisé, parce que c'est notre seul point de comparaison, 235 kilos au bench press. On sait dans le développé en position horizontale. C'est beaucoup plus faible que Treglone, qui a réalisé 6,45 m et qui l'année dernière n'avait fait que 5,22 m entre parenthèses. Et en regardant cela au ralenti encore une fois, Joe, on a l'impression que le tir est beaucoup trop haut, la pierre est projetée en hauteur. On s'en débarrasse beaucoup trop tôt, et c'est-à-dire qu'on ne se porte pas assez en extension pour permettre le passage de la pierre devant le corps et le visage. 54. Alors 5 mètres 54, c'est très faible effectivement pour une compétition de ce niveau. Il porte le dossard numéro 9 et le hasard a voulu qu'il suive son compatriote dans l'ordre du tirage. Ilkka Nummisto, celui-là, un autre Finlandais. Et c'est un bon tir. Oui, n'oubliez pas que celui-là est recordman mondial des plus de 40 ans au bench press avec 237 kg 500. C'est un monsieur, il a dégoté 4 sélections olympiques en canoë-kayak en Finlande. Alors c'est un bel athlète à 44 ans ou presque, il fait 43 ans et demi. Et c'est 6 mètres 30. 6 kg 280 livres. Et voici l'Américain Paul Sheedy, 25 ans, à 6 pieds 1 pouce, 290 livres. Alors, de celui-là, on sait peu de choses, si ce n'est qu'il manifeste une certaine arrogance, peut-être. Oui, ben tout au long des journées précédentes, on a trouvé que les Américains étaient, disons, pour le moins un peu provocants. Et ça peut être indisposé un peu aussi les partenaires et les adversaires. Ils savent se faire remarquer. C'est bon. Et c'est un bon tir, c'est un bon tir. Alors, on présume que c'est un lancer qui a excédé la barre des 7 mètres. Attendons, pendant que l'on revoit la séquence au ralenti, la technique est bonne, il y a de la puissance. Oui, beaucoup de puissance, beaucoup de contraction. Alors c'est 6 mètres 78, donc c'est en deçà de 7 mètres encore. Ben ça le place pour l'instant, les 4 concurrents qui viennent de passer, ça le place en tête. Et en voici un qui est assez connu ici, John Paul Sigmarsson. On l'a vu l'an dernier, il a 28 ans, à 6 pieds 4 pouces, 310 livres. C'est un géant sympathique. C'est vraiment un garçon très sympathique qui provoque l'hilarité, qui d'ailleurs dégage une certaine joie de vivre en dépit de sa puissance. N'oubliez pas qu'il a remporté cette année le concours de l'homme le plus fort du monde à Nice déjà. Il n'a rien à voir avec notre championnat mondial, bien sûr. Alors, le voici. Le Jacques
en préparation avec quelques mouvements d'écrasement. Et non, c'est fort. Oh, ça, c'est très loin. C'est fort, c'est très fort. N'oubliez pas qu'il a un record à 7,57 m. Performance réalisée l'année dernière lors du troisième défi Martin. Alors, revoyons tout ça au ralenti. Il vient de battre son record, Gérard. 7,81 m. 7,81 m. Il bat donc son record personnel très exactement de 24 cm. Alors que le record est à 8 mètres du but du record du monde, il appartient au Canadien Tom McGee. Voici cet Américain dont on parle beaucoup ici depuis quelques jours, Bill Kazmaier, 30 ans, 6 pieds 1 pouce, 315 livres. Oui, c'est celui qui a remporté les trois titres de champion du monde entre 1979 et 1981. De sérieux ennuis musculaires l'ont empêché ensuite de progresser, mais il a été effectivement considéré comme l'homme le plus fort du monde. D'ailleurs, au point de vue scientifique, il a été celui qui a été le plus testé, en particulier par le professeur de l'Université d'Alabama, Tom McLaughlin, qui avait déterminé des dons tout à fait exceptionnels chez cet individu, charpenté comme un dinosaure, c'est le cas de le dire. Oui, quelle masse musculaire impressionnante. Oui, très impressionnante. Alors, voyons qu'est-ce que ça va donner dans le concret maintenant. Le lancer a été beaucoup trop haut. C'est nettement inférieur à Sigmerson. Et lui non plus n'a pas une technique tellement poussée. Alors il aurait avantage à baisser un petit peu la ligne de son lancer. Parce qu'encore là, il a tiré plus haut qu'il n'a tiré loin. Oui, effectivement, il a une tendance lui aussi à lancer beaucoup trop haut. Et à se débarrasser prématurément de cette pierre de 56 livres. Alors 7,23 m. Et voici le premier représentant canadien, c'est le champion en titre, Robert Dubois, 28 ans, 5 pieds, 9 pouces, 264 livres. Il est du lac Saint-Charles en banlieue de Québec. Et il est arrivé ici très confiant. Un bon tir. Un bon tir. Lui aussi vient de passer les 7 mètres. Mais il ne faut pas oublier que son record est de 7,66 m. Performance qu'il avait réalisée lors des championnats du Québec à Drummondville le 2 août dernier. Alors sans présumer de ce qu'il a fait ici, il est capable de mieux. Certainement. 7 mètres 17, voilà qui est confirmé pour son premier tir. Et on pourrait peut-être penser qu'il a voulu surtout profiter de ce premier tir pour s'échauffer. Oui. En général, c'est la tactique de Dubois, c'est-à-dire qu'il fait, comme vous le dites, un essai pour tâter un peu le terrain. Et il a toujours bien réussi dans ce domaine-là parce qu'en général, c'est son deuxième jet qui est le meilleur. Heidi Arnason, attention à celui-là. 25 ans, 6 pieds 2 pouces, 298 livres. Il était 6e au défi Martin en 86. Un bon lancé. Oui, un très bon lancé, mais lui n'a pas bénéficié suffisamment de la poussée sur les jambes. Parce que l'extension des jambes est très importante au niveau de la vitesse à donner à l'engin. Alors, il a un record personnel de 6,97 m. Et là, c'est battu. C'est battu. 7,32 m. Donc, il améliore sa marque personnelle. Effectivement, il passe au deuxième rang derrière son compatriote Sigmarsson. Les deux Islandais aux deux premières places. Et en voici un qu'il faudra avoir à l'œil. L'anglais Mark Higgins, 24 ans, 6 pieds 8 pouces, c'est le plus grand en termes de gabarit, 345 livres, c'est le deuxième plus lourd dans cette compétition. Alors l'autre anglais à 350 livres, le bat de 5 livres en termes de poids. Oui, le record personnel de Mark Higgins date de 1985, il avait fait 7,38 m. Et il s'en est débarrassé un peu tôt, c'est dommage.
C'est dommage parce que j'ai l'impression qu'il peut nettement mieux, en particulier en utilisant beaucoup plus longtemps la poussée des bras. Alors on voit tout ça au ralenti. Effectivement, comme vous l'avez si bien dit, Joe Maléjac, il s'est débarrassé de la pierre beaucoup trop rapidement. Son mouvement circulaire n'était pas terminé. 7 mètres 14, ça le place au quatrième rang dans la compétition à ce premier essai. Rappelons que chaque cinquième rang, Gérard, ça le place au cinquième rang. Deux essais pour compléter la compétition et on retient le meilleur. Marco Fortier, le plus jeune de la compétition à 20 ans, 5 pieds 8 pouces, 240 livres. Il est du Québec, donc représentant le Canada. Lui aussi est du Lac-Saint-Charles, comme son compatriote et compagnon d'armes Robert Dubon. Champion canadien 1987. Il a presque amélioré tous ses records au cours des compétitions précédentes. Quelle détermination il affiche dans son visage, mais ça c'est pas très bon. Non, ça c'est pas très bon du tout. C'est même pas bon du tout en ce sens, c'est que sa pierre est partie très très haut, mais sans aucune puissance de pénétration vers l'avant. Et j'ai l'impression que on pourrait peut-être expliquer son joli lancé plus ou moins réussi par de la nervosité. Oui, de lui et Dubon, évidemment, ont à se produire devant leur public. Oui. Le stress joue un rôle prépondérant, là, on peut en être certain, surtout. Alors, 5,99 m, c'est nettement ça de ses possibilités, lui qui a déjà fait 7,37 m. L'Américain Bill Kazmaier, qui a fait 7,23 m à son premier essai, ce qui lui vaut provisoirement la troisième position. Exact, Gérard. Derrière Sigmarsson et l'autre Islandais, Hjalti Árnason. Alors ce Kazmaier-là, si sa musculature s'est replacée, très impressionnant. Parce qu'on sait qu'il avait été ralenti par des blessures. N'oubliez pas que au squat en flexion de jambes, ce garçon-là a tenté 981 livres. C'est quelque chose de faramineux. Alors le voici maintenant en marche. Quelques mouvements de balancier. Et c'est très très haut et très loin aussi. C'est bien meilleur. C'est bien meilleur que ces 7,23 m du premier essai, certainement. Il a certainement gagné un pied. Mais n'anticipons pas davantage. Revoyons plutôt cela au ralenti. Et encore une fois, le lancer était très très haut, Joe Maléjac. Oui, très très haut, mais il l'a suivi cette fois-ci. 7,86 m et il prend la tête. Il prend la tête, 7,86 m. Le classement individuel après le lancer de la pierre donne l'Américain Kazmaier en tête avec 20 points. Sigmarsson en a 15. L'Anglais Higgins 12 et Árnason 10. Le classement par équipe maintenant, les États-Unis dominent avec 26. L'Islande est deuxième avec 25. La Grande-Bretagne est au troisième rang avec 14,50. Le Canada quatrième à 10,50 et la Finlande à 5 points. Passons maintenant à Camille Dubé et son invité Daniel Poulain. Eh bien, on vous a parlé que l'on vous donnerait les impressions, les réactions d'un homme fort. Daniel, qu'est-ce que tu as observé dans cette épreuve? J'ai observé que ce n'est pas les scores qu'on pensait. Il est d'abord à voir dans 8 mètres dépassés. C'est des scores... non, c'est pas assez. Non, les gars sont très nerveux. Les gars, c'est normal, ils ont beaucoup de pression. Monsieur Kazmaier, premier, Sigmarsson, deuxième. La guerre n'est pas finie. Là. Comment ça se réchauffer seulement, quoi? C'est un réchauffement, c'est un gros réchauffement quand même. C'est bon les scores, mais c'est pas ce qu'il aurait dû faire ce gars-là encore. C'est pas 8 mètres 18 de Magui. Non, Magui reste encore Magui. Ouais. N'importe Magui, McMagui, toi là. Là, il y avait, c'était une épreuve de force et technique. Les prochaines, ce sera la démonstration de force brute, purement et simplement. Et ce spécial homme fort de l'univers des sports vous revient dans un moment. De la pierre, Bill Kazmaier des États-Unis. Bill, is it mostly strain or technique, this discipline? That stone throws a great deal of technique. You've got to have really strong legs and back.
but you've got to know how to throw it. Now, you had stopped competing for a while, or you didn't show. You had been world champion earlier. What happened in the meantime? Well, I've been training. I haven't really fallen out of shape. I put 2 months into training for this competition. And you're taking it very seriously. Well, the serious event comes up next, the platform. That separates the men from the boys. We'll see you up there. Thank you, Billy, and good luck. Thank you. Alors voilà, Bill Gasmeyer nous explique qu'effectivement, le lancer de la pierre, il y a énormément de technique, mais aussi beaucoup de force au niveau des jambes et beaucoup de résistance et de cran d'arrêt au niveau du dos. Lui, qui a déjà été champion mondial des hommes forts, n'avait pas compétitionné au cours des dernières années, mais pour venir ici à Montréal cette année, il s'est entraîné très sérieusement parce qu'il veut démontrer qu'il n'a pas perdu son titre de champion, c'est tout simplement qu'il n'avait pas compétitionné. Et il dit vraiment, le sérieux, ça s'en vient. C'est à la plateforme et c'est là que l'on va aller rejoindre Daniel Poulain. Mais selon moi, l'épreuve de la plateforme est probablement l'épreuve qui demande le plus grand déploiement de force brute, effectivement, Daniel. Est-ce que j'ai raison d'affirmer une telle chose? Et oui, vous avez raison 100% parce que la plateforme, c'est un truc qui est très, très dur. Très dur sur un compétiteur, parce que vous avez une charge de 1500-1800 livres vraiment sur les épaules. Mais quelle est la technique, là? Est-ce qu'il y a une façon plus particulière d'aborder, d'approcher? Oui, vous avez juste une façon de bien opérer cette machine-là. C'est de s'approcher, c'est de s'installer le dos bien droit, c'est très important. De lever, faire le lever juste avec les jambes, parce que c'est les jambes qui travaillent. Mm-hmm. Il n'y a pas un bras qui peut lever ça, c'est les jambes qui sont faites pour ça. Et c'est là, c'est de lever tout le temps bien droit. La barre placée au bon endroit ou... Ses épaules très bien placées, c'est très important. Si on la met trop basse, c'est pas bon. Elle va chercher à glisser. Trop haute, ça coupe le cou, c'est pas bon. Il faut que ça soit vraiment sur les épaules. Et on constate également que la barre est ajustable à la hauteur du compétiteur. Oui, c'est juste pour tout le monde. La barre est ajustable. Il n'y a pas un gars, même s'il mesure 6 pieds 7, qui peut dire « moi, je suis désavantagé ». Tout le monde est égal. Et qui décide que le lever est bon? C'est la cloche. On a une cloche, on lève 4 cm et le son de cloche, ça sonne. Personne ne peut tricher. Personne ne triche. Et tout ça, vous devez le faire en dedans d'une minute, et après une minute, vous êtes peut-être étourdi un petit peu? Oui, après une minute, quand ça a bien fonctionné, on est étourdi. Bien, Daniel, allons voir qu'est-ce que tu as réalisé tout récemment à Drummondville, un lever de pas moins de 1600 livres. Alors, Daniel Poulain, donc, avec une vingtaine de secondes à faire pour réaliser l'exploit, et c'est fait, c'est réussi. Robert Dubot, la charge est maintenant à 1800 livres. Et c'est réussi. Il égale son corps. Il égale son corps personnel, Gérard. Et j'ai l'impression qu'il y a encore de la réserve sous le pied. Et il était important ici pour le Canadien d'assurer une réussite à cette charge. Maintenant, la pression est sur les autres. Voici maintenant l'Anglais, Higgins. Higgins, rappelons-le, co-détenteur de cette marque mondiale à 1850 livres. Alors, voyons ce qu'il va faire ici, Jean-Marie Jacques. Oui, c'est un peu une énigme, parce qu'on a eu l'impression, à partir de 1500 livres, qu'il était un peu en difficulté. Il a levé la charge, mais pas suffisamment. Il faut y aller de quelques centimètres de plus. Oh oui, il manquait un bon centimètre et demi. Il est bien placé. Juste à la verticale. Et il peut développer vraiment dans un plan vertical. Et c'est réussi. Oui. Alors 3 en 3 jusqu'ici à 1800 livres. Oui, bien je crois, si ma mémoire ne défaille pas, Gérard, que c'est la première fois qu'on voit 3 hommes à 1800 livres. Et attention, Fortier arrive. Et Fortier est aussi co-détenteur mondial avec 1850 livres. Et voici un jeune homme très confiant qui montre sur la tribune. Marco Fortier, co-détenteur donc du record mondial au lever de la plateforme à 1850 livres. Il l'a réalisé cette année, bien sûr. Et qui est très encouragé par la réussite de son équipier du haut. Il va maintenant faire le maximum lui aussi. Alors, ça c'est a pas été loin. Levé, c'est mais pas loin. Suffisamment. Un petit répit, 50 secondes encore. Et le voici qui reprend position sous la barre. La foule manifeste de plus en plus fort.
Le portier réussi à sauter la cage, lui aussi. On en a quatre donc qui ont passé avec succès la marque des 1800 livres. La charge est à 1850 livres, ce qui égale le record du monde. Halti Arnason est le seul qui va tenter cette charge. Les trois autres ont décidé d'attendre et de risquer le tout pour le tout à 1900 livres. À 1900 livres, mais il risque de rester sur le carreau et si Arnason passe là, c'est lui qui gagnerait. Et il est pas loin. Et c'est réussi, il a décalé le record mondial. Égal le record mondial au lever de la plateforme à 1850 livres. Et bien maintenant, les trois autres qui croyaient avoir mis de la pression, eh ben, vont la subir cette même pression parce qu'ils se doivent absolument maintenant de soulever 1900 livres. Exactement. Là, c'est trois hommes qui tentent le record. Le record maintenant qui est détenu conjointement par quatre athlètes. Higgins, Fortier, Labonté et Arnason. Voici maintenant Robert Dubot qui s'amène sur la tribune. Il va tenter un nouveau record du monde qui vient d'être égalé avant lui par Eddie Arnason. Dubon va-t-il être capable de soulever 1900 livres? S'il le fait, il prend une sérieuse option sur le premier rang dans cette discipline. Il s'est baissé la barre pour avoir une fermeture molécule plus accentuée. Donc, il pense utiliser encore plus la force. Alors, la foule qui porte maintenant avec Robert Dubot, c'est très lourd. C'est même très très lourd. 30 secondes. De fait, s'il soulevait cette charge, il battrait son record personnel de 100 livres. Alors, 15 secondes maintenant. Dubot voit les secondes s'égrener. Et j'ai l'impression que ce sera trop tard. 5, 4, 3, 2, et c'est terminé. Quand même bien battu. Mais il ne retiendra donc que 1800 livres. Et ça, ça pourrait faire viser au quatrième rang. Oui. Du Forum de Montréal, le championnat mondial des hommes forts vous revient après cette pause. Il arrive au pas de course, Mark Higgins, qui lui, à son tour, va s'attaquer au nouveau record potentiel de la plateforme à 1900 livres. Rappelons qu'avant lui, Dubot a échoué. Higgins se doit de réussir. C'est incroyable. La charge a été soulevée légèrement. Il demande d'abaisser la barre. Il a toujours devant lui 40 secondes pour s'exécuter. Vous avez vu le degré de tension musculaire que ça provoque. Vous voyez les jambes trembler. Absolument incroyable. Cette mobilisation, c'est l'optimum au point de vue de la force. Non, Higgins décide. Ah, il se ravise, constatant qu'il a encore 20 secondes. Il revient. Il croyait manquer de temps, mais enfin un coup d'œil derrière, il a vu le tableau et ça l'a encouragé à tenter une autre fois. Il n'y a rien à faire. Non. Il dit renonce. Il renonce. Donc, on a à tout le moins une égalité pour la troisième place maintenant. Alors, c'est une foule très enthousiaste. De fait, il y a 1057 spectateurs ce soir à ce championnat du monde. C'est un nouveau record puisqu'on en avait accueilli 9000 au Colisée. Alors tout ça se délire actuellement pour Marco Fortier qui tente de réaliser un nouveau record mondial à 1900 livres à la plateforme. Lui qui partage déjà maintenant avec trois autres athlètes la marque à 1850. La charge a été soulevée. C'est lui qui l'a littéralement décollé. Les autres l'ont fait trembler, mais sans plus. Il y a que lui qui est parvenu véritablement à la déplacer de, disons, un centimètre et demi au moins. Et voici trois secondes.
y aller. Ça faute son énergie ici. Mais c'est un effort quasi surhumain qu'on lui demande. Et je crois qu'il intelligemment arrête. Oui, parce qu'il reste deux épreuves, Gérard. Et c'est beau. C'est beau. Yaldi Arnason qui vient d'égaler la marque mondiale va maintenant tenter de ravir seul ce privilège d'être l'homme le plus fort au monde à la plateforme à 1900 livres. Il a décollé la charge très facilement. Beaucoup plus nettement que ne l'a fait Marco Fortier, c'est exact. Et ça confirme bien ce qu'on pensait, que c'est celui qui a accompli les plus gros progrès qu'il a emprunté. Alors, il s'est retiré pour venir faire un coup d'œil sur le chronomètre. Revient sous la barre. Et la foule l'encourage. Oh, c'était prêt cette fois-ci. Très prêt. Et c'est prêt. C'est le plus grand record du monde. 1900 livres. Ben là maintenant, Gérard, on est tranquille. Il n'y a plus qu'un seul recordman du monde à 1900 livres. La situation vient d'être clarifiée. Et c'est un record bien sympathique parce que Ralti, comme on l'appelle, c'est un garçon éminemment sympathique, au même titre que son grand ami équipier, Jan Paul Sigmerson. Voici Hjalti Arnason qui revient sur la tribune et qui va tenter de mettre son record mondial hors de portée pour un petit bout de temps, du moins l'espère-t-il, en demandant de porter la charge à 2000 livres. Mais je me demande si c'est réaliste, Jomal et Jacques, parce qu'on voit déjà qu'il y a eu probablement éclatement d'un petit vaisseau sanguin dans le nez. C'est obligatoire. Vous pensez qu'il y a une contraction telle que les vaisseaux sanguins se trouvent, pour ainsi dire, bloqués. C'est quasiment hors de raison. Il l'a soulevé. Il va revenir, attendez, il va revenir. Attendez, c'est pas fini. Hein. Comme dirait René Lévesque, attendez un peu que je me rappelle. Et il a donné un signe sans équivoque. Abaissez-moi cette barre, ouais. Que je la soulève. Je vais reprendre le même chemin certainement, mais cette fois-ci, je vais peut-être m'y prendre mieux. Eh bien, c'est un exploit. C'est absolument incroyable. Alors que John Paul Sigmarsson devant la tribune va à la cadence. Kassmeyer, l'Américain même, qui s'en mêle et qui encourage Arnason, mais c'est vraiment trop demandé. Voilà, je pense qu'il en a fait suffisamment en portant le record à 1900 livres. Quel champion Arnason! Après deux épreuves, donc, l'Islandais Arnason domine avec 30 points. L'Américain Kassmeyer est deuxième avec 24,60. À 24,30, c'est l'Anglais Higgins. Et le Canadien Dubot à 20,30. Au classement des équipes maintenant, après deux épreuves, l'Islande domine avec 49,60. Le Canada est deuxième à 35,10. Les États-Unis, 31,60. La Grande-Bretagne, 31,40. Et la Finlande à 14,20. Retrouvons maintenant Camille Dubé et Daniel Poulain, en compagnie également de l'entraîneur des Canadiens, Germain Bédard. Eh bien, on a passé par toute une gamme d'émotions avec cette épreuve de la plateforme et j'ai deux invités à vous présenter. Il y a Germain Bédard, mais d'abord notre analyste observateur. Daniel, qu'est-ce que tu as observé pendant cette compétition? C'est les performances de M. Arnason. C'est vraiment 2000 livres, il a levé quand même. 2000 livres, il a élevé. Il faut se mettre ça dans la tête. C'est soulevé, même si la cloche n'a pas sonné, c'est 2000 livres décollés. Arnason, il a fait un record terrible. Mais nos petits Québécois, il ne faut jamais oublier nos petits Québécois, ils sont dans le game. Eh bien, j'ai justement avec moi l'entraîneur des deux Québécois. J'ai une question à lui poser. C'est Germain Bédard qui entraîne Marco Fortier et Robert Dubot. Il y a plusieurs personnes, Germain, qui se sont posé la question. C'est une stratégie, on comprend. 1800 livres, tout allait bien. On dépasse 1850 et on va tenter 1900. Pourquoi? Première des choses, Robert allait beaucoup mieux que Marco aujourd'hui. Marco n'avait plus de problème. À 1800, Marco aurait dû même arrêter peut-être la compétition parce qu'il sentait des malaises au niveau des trapèzes, des spasmes musculaires. Alors, on s'est dit, tant qu'à tenter quelque chose, on devait tenter 1900.
Pour Marco, pour sa confiance, c'est surtout pour bâtir pour le futur. Dans le futur, Marco a 20 ans, il a tenté 1900, il a levé de 3 cm. L'an prochain, ils sont capables de faire 1900 et de progresser. C'est un tout jeune homme, c'est l'expérience. Et les deux, nos deux Québécois, on ne lâchera pas. Je pense qu'on a des chances encore pour la Coupe des Nations. Eh bien, bonne chance pour les prochaines épreuves à Marco et à Robert. Je sais que vous en prenez bien soin. Félicitations pour le travail jusqu'à maintenant, Germain. Merci. Nous passerons à la prochaine épreuve de cette série des hommes forts dans un moment à l'univers des sports. On vous rappelle que cette émission vous parvient du Forum de Montréal. 100 poids supplémentaires, combien pèse-t-elle? 100 poids, la bourrette pèse 200 livres. Et les additions se font par 100, 200 livres à la fois? Par 200 livres à la fois, tout le temps. Ça va plus vite. Pour me faire rendre à 3000 livres, il faut monter. À 3000 livres, mon Dieu. Le règlement du concours, qu'est-ce que c'est? Le règlement, on a une minute pour effectuer la distance de 5 mètres. On a deux essais. Si on échappe dans le premier essai, mettons, il reste 40 secondes. Si on se reprend, on peut se reposer jusqu'à 5 secondes. Il faut lever la brouette pour le deuxième essai avant que la minute finisse. On peut finir notre 5 mètres. Maintenant, le danger, est-ce que, comme à la plateforme, occasionnellement, vous voyez noir, est-ce que vous êtes étourdi ou quoi? Non, à la brouette, on ne voit pas noir. Le danger, c'est de se déchirer les mains. C'est la poigne là-dedans. Il faut serrer très fort. C'est là. Tout se passe d'un manchon, d'un main. C'est là. Pour être capable de tenir solidement sans que ça déchire. Oui, oui, c'est ça. Il faut serrer très dur. Sans ça. Aussitôt que ça l'échappe, ça glisse, on déchire. Notre ami Daniel détient le record pour le transport de la brouette. On ne lui souhaite pas que ce soit battu ce soir, mais dernièrement, à Drummondville, il en a donné encore une très bonne démonstration. On va le voir. Il doit défier 3,06 m. Et je pense que c'est fait. Oh oui, je pense que notre petit pompon, mais... 3,74 m. Voilà, c'est réussi. Une nouvelle marque mondiale. 3,90 m, je pense. Record mondial pour Daniel Poulain. Voici le Canadien Robert Dubois, dont le record personnel est de 2800 livres. Et ici, actuellement, on voit qu'il s'exécute avec assez de facilité. Il a fait à peu près la moitié du chemin. Rien pour paniquer, puisqu'on sait qu'il a 60 secondes pour faire le trajet. Et maintenant, quand il va soulever la charge à nouveau, il ne pourra plus s'arrêter. C'est peut-être plus astucieux, parce que ça tire quand même, surtout sur les mains. Et il semblerait que Robert ait toujours eu des petits problèmes avec les mains. D'un autre côté, il faut bien dire qu'il a une technique qui, évidemment, est avantagée par sa musculature, étant donné que lui place les poignets, parce que les poignets sont réglables. On voit là où elles sont à peu près à mi-distance entre le sommet et les barres de la brouette. Ce qui fait qu'il a toute la charge sur les bras. Robert Dubois, donc, est le troisième à compléter le parcours de 5 mètres avec 2500 livres de charge à la brouette. Les autres étant l'anglais Craig Lowen, l'américain Cass Meyers et là Dubois. Marco Forcier qui s'amène. Et là, c'est une perspective intéressante pour la compétition en équipe, car Dubois réussit à 2500 livres. Si Forcier réussit sur 2500 livres, eh bien, le Canada pourrait passer en tête à la compétition en équipe. Et c'est réussi. Virtuellement, le Canada est en tête maintenant. Étant donné qu'il y a plus que les deux concurrents québécois sont encore dans la course, alors qu'il n'y a plus qu'un seul Américain, un seul Islandais. Mais il y a encore deux Anglais, attention. Il y a encore deux Anglais. Craig Lowen et Higgins. Jean-Paul Submarson semble maintenant sur le sentier de la guerre. Il s'est fait d'ailleurs des traits. Peinture adéquate. Et... ça devrait être pour lui une formalité, étant donné qu'il a déjà quand même détenu le record du monde à 3000 livres. Oui, sur 3,06 m exactement, avant que Daniel Poulain ne réussisse la même charge, mais c'est avec 3,74 m. Et Sigmundsson avait passé outre tout à l'heure à la charge précédente de 2500 livres. On comprend pourquoi maintenant. Alors ça a été exécuté sans bavure, très très facilement. On en a donc deux qui ont réussi le trajet de 2700 livres. Et l'anglais Craig Lowen, maintenant Sigmarsson. Alors,
Peter Treglone, l'anglais, tout à l'heure, a transporté la charge avec 2600 livres. Maintenant, histoire de rejoindre les autres, c'est avec 2700 qu'il se promène très allègrement, comme vous le voyez, tant que lui aussi a réussi à 2700. On en a donc deux qui auront fait 2700. Treglone, bien sûr, et Gonpal Sigmarsson. Quant aux trois autres, eh ben, ils attendent à 2900. On 2900 livres maintenant, et c'est Robert Dubot qui va s'attaquer à cette charge le premier. Oh, c'était parti en déséquilibre, Thomas Léjac. Oui, mais il a réussi quand même à la soulever et à la déplacer. Je ne sais pas s'il peut aller à 5 mètres, mais en tout cas, il a pris une option à 2900 livres, performance qu'il n'avait jamais réalisée antérieurement. Effectivement, puisque sa marque personnelle est de 2800 livres, donc déjà, il a amélioré son record personnel du même coup. Ayant franchi une distance 6000 fois-t-elle, il a au moins fait quelques pas. Il reste encore 12 secondes au chrono pour Robert Dubot, qui s'attelle à nouveau à la charge. Elle est soulevée, mais ça ne va pas plus loin. De toute manière, comme on l'a dit, c'est un record personnel pour Robert Dubot. On va voir sur quelle distance. Et ça l'assure à tout le moins d'une cinquième place. Le championnat mondial des hommes forts vous revient du Forum de Montréal après cette pause. Mark Higgins. Il a fait remonter les poignets, Gérard. Ce qui fait que la charge est un petit peu plus placée à l'avant et non pas entièrement sur les bras. Il faut maintenir en ligne droite. C'est ça le problème. Un choc déplacement de pied. Ah, il a franchi quand même une très bonne distance, au moins 3 oui. mètres et demi. Oui, il devrait y aller. Il devrait y aller parce que l'année dernière, il l'avait fait quand même plus de 3 mètres avec 3000 livres. Et sachant que et Arnason et Kassmeyer ne sont plus là, eh ben voilà une belle ouverture. Un chassé-croisé, un chassé-croisé au classement individuel invraisemblable. Ça a commencé avec le lever de la plateforme et ça se poursuit avec le transport de la brouette. À savoir que ceux qui ont dominé auparavant sont dominés à leur tour. Il n'a que 5,70 de retard oui. sur Arnason. Donc, c'est lui qui pourrait s'emparer de la position de commande dès cette épreuve. 20 secondes au chrono. Higgins repart. Et c'est réussi. Oh, Higgins est maintenant un athlète très rassuré. Ben, il a pris une sérieuse option parce que 3000 livres, c'est pas à tous les coups qu'on peut déplacer cette charge-là. Alors, retour maintenant de Marco Fortier qui pourrait améliorer sa position drôlement au classement. Exactement. S'il était capable de franchir ne serait-ce que 2 mètres. Oui, mais c'est pas. Il faut bien reconnaître que ce n'est pas la discipline forte de Dubot et de Fortier. Non, effectivement, c'est peut-être même leur point faible. Oui. Et Dubot a fait a vraiment tiré le maximum ce soir à 1900 livres. Alors, Fortier qui résolument s'attaque à cette charge. Lui qui a fait 2600 livres. Et là, c'est lourd, on le constate. C'est lourd. Alors, avec encore au moins 34 secondes au chronomètre. On voit l'entraîneur de Germain Bédard qui l'encourage fortement. À
reprend et ça ne va pas plus loin. Les mains ne résistent pas. Mais ça reste quand même pour lui un nouveau record personnel. Il aura fait peut-être pas un mètre, mais au moins il a fait avancer la charge de 2900 livres. Oui. John Paul Sigmarsson maintenant, qui s'attaque au record du monde qui est de 3000 livres, qu'il a déjà détenu. Oui, sur 3,74 m, il est détenu par le Québécois Daniel Goulin. Mais effectivement, Sigmarsson avait déjà fait 3,06 m auparavant. Alors, il a à faire un peu plus. Voilà. Sigmarsson qui s'assure d'avoir une bonne emprise de ses poignets. Avance de quelques centimètres et dépose la charge qui lui glissait déjà entre les doigts. Oui. Alors Sigmarsson qui revient tout de suite, même s'il a encore plus de 30 secondes. Oui, encouragé, soutenu de la voix par son équipier Ralfi Arnason. Arnason qui suit de toutes ses forces, mais non, ça ne va pas plus loin. Oh là, il est furieux. Il a littéralement un coup de pied à la manière d'un âne démoli un des panneaux sur l'estrade. Ça rappelle le coup de pied de la mule d'Alphonse Daudet. Il paraît qu'elle l'avait gardé en rancune pendant 7 ans. J'espère que ça durera moins longtemps pour Alors John on Pal. Revoit ça au ralenti. Voilà, de quoi, la le charge coup de pied. Déposée, voilà. Et le geste de frustration. Ça c'est beau. Hein. Alors c'est Peter Fraglund maintenant, l'anglais, et qui avance. Et là c'est la main gauche qui échappe littéralement à la poignée. Mais là, on voit que le déséquilibre latéral joue terriblement. Traction sur les bras. Il est incapable de maintenir la brouette vraiment rectiligne. Et à partir de là, évidemment, la brouette se trouve complètement balancée de gauche et de droite. Il ne peut pas résister à cette pression-là. Il y a quand même 3000 livres. Alors, Craig Leon, voilà, qui revient. Plus résolu que jamais. A poussé cette charge jusqu'à la limite des 5 mètres. Et ça avance. Oh, ça a été déposé tout près de la ligne. Oui, il se pourrait bien que le record de Daniel Goulin soit battu. J'ai l'impression, oui, que le record vient de basculer. Alors on attend ce résultat maintenant avec anxiété. Alors on attend la confirmation. Il a réussi 4 mètres 33 et c'est effectivement un nouveau record du monde. Eh bien, on a deux nouveaux records du monde en trois épreuves ce soir. Arnason l'a fait à la plateforme et là, Peter Fraglund vient de réussir sur la distance de 4 mètres 33 à transporter 3000 livres à la brouette. Attendez. Mark Higgins peut aller plus loin. Il peut peut-être conduire ça aux 5 mètres. Mark Higgins maintenant, qui lui a semblé se promener toute la soirée avec cette brouette. Est-ce qu'il est capable d'abaisser tout de suite le record mondial que vient de réaliser son compatriote Craig Leon? Oh, il s'est rendu du premier coup presque aussi loin que l'autre. Alors on peut présumer que le record du monde n'aura pas duré très longtemps. Il est furieux alors qu'il balance la craie au sol dans un geste rageur, mais il a beaucoup de temps devant lui pour pouvoir continuer. Et on nous signale
puisque sa main gauche est amochée passablement. Alors donc, ça pourrait expliquer qu'il ait échappé aussi près du but. Là, ça pardonne pas. Ça pardonne pas parce qu'avec la pression qui est exercée au niveau des phalanges, ça arrache tout. Alors, ça se déporte à gauche ou à droite. Alors, Higgins, maintenant, qui croit fermement pouvoir aller jusqu'au bout en dépit d'une main gauche en dolerie, la peau arrachée par Flack, réussit ça à faire les 5 mètres. Nouveau record du monde. Eh bien, son compatriote Craig Leon n'aura pas pu en profiter bien longtemps. À 4m33, déjà, Higgins l'équipe et les Anglais, maintenant en équipe, sont devenus la menace. Ça va être difficile à battre parce qu'ils occupent les deux premières positions dans cette discipline, c'est-à-dire qu'ils accumulent d'un seul coup d'un seul 35 points. Après trois épreuves, donc, c'est l'Anglais Higgins qui a pris la position de commande. Il totalise 44,30 points. Arnason est deuxième maintenant à 34 points. Sigmarsson, troisième, 31,60. Et l'Américain Kazmaier, quatrième à 30,60. Le classement des pays, la Grande-Bretagne a pris la tête donc avec 66,40. L'Islande est deuxième, 65,60. Le Canada est troisième avec 53,10. Les États-Unis et la Finlande suivent dans l'ordre. Retrouvons maintenant Camille Dubé et le nouveau recordman du monde à la brouette, Mark Higgins. Eh bien, dans l'ère de préparation et de réchauffement, je me suis trouvé un nouvel analyste. Le nouveau champion de la brouette, Daniel Poulain, vient de voir son titre s'envoler avec regret, mais c'est devant un grand compétiteur qu'il s'est incliné. Mark, should we call you now Mark the Wheelbarrow Higgins? Wait till next year, I will do more. You wanted to try 3,400, I've been told, but then what happened? Well, my hands were cut and I decided there is one more event to go and I need to give it all of my effort, so maybe next year I'll try that. Do you train a lot for that? Only about the last 6 weeks or so. I built my own wheelbarrow and I didn't expect to do that much, but I'm very pleased. You were in great shape. Obviously. Well, congratulations, and hopefully you'll do better again next year. Thank you very much. Voilà, Mark Higgins, qui déjà à 3000 livres, voulait tenter l'expérience à 3400 livres, sauf les problèmes avec sa main gauche, qui déjà a été brisée à 2900 livres, l'ont empêché de poursuivre. Lui voulait tenter sa chance, sauf que l'équipe médicale lui a dit ce serait vraiment trop hasardeux d'y aller à 3400. Contente-toi d'un record de 3000. Il dit, maintenant que j'ai réalisé ce record, attendez à l'an prochain, je ferai encore mieux. Je me sentais en très grande forme ce soir et ce sera la même chose. Ce reportage spécial de l'univers des sports sur le championnat mondial des hommes forts vous revient dans un moment. Là, c'est 100%, c'est un plaqué, il est très très bon pour ça. Il n'y a pas de danger de glisser là-dessus. Et le contrôle du sac de sable sur les épaules comme tel, c'est pas ça vraiment qui est le problème? Oui, il faut le tenir quand même, le sac de sable. C'est 200 livres, il ne faut pas le laisser descendre trop. S'il descend trop sur les épaules, on en repère. On est trop penché par en avant, puis c'est plus bon. Il faut qu'il reste de la tête tout le temps. Parce qu'un système de chronométrage, et ça, on ne peut pas tricher non plus là, pour les lignes de départ. Oui, c'est très très sévère. Il y a un chronométrage très sévère, ce qui est 100%. Il n'y a pas de trichage là-dedans, aucunement. On se bat contre le temps. Daniel, je sais que ce n'est pas ton épreuve privilégiée, ce n'est pas ton épreuve de prédilection comme la brouette, mais malgré tout, Daniel s'est fort bien défendu récemment à Drummondville. Il faudra donc surveiller celui que l'on voit à l'écran, le recordman mondial de l'épreuve du transport de la brouette. Le départ est donné, donc Poulain, dossard numéro 1, Dominique Petit, dossard numéro 10. Daniel Poulain qui conserve un excellent rythme jusqu'à maintenant. Suffisamment rapidement pour espérer terminer troisième au classement général. Il va quand même terminer fort. Daniel Poulain qui va franchir la ligne d'arrivée alors que Dominique Petit est épuisé. Il s'écoule au sol. Les deux Finlandais sont jumelés pour la dernière épreuve, la course de 200 mètres, avec 200 livres de charge sur les épaules. Donc, en avance présentement, c'est Ilkka Nomisto, et l'autre est Marko Vanhanvirta.
Alors, net avantage à l'issue des 100 premiers mètres à Numisto, à la gauche de notre écran, à la droite de notre écran. Et un temps de passage de 20.09 après 100 mètres. Alors, c'est une course vraiment où Numisto est à l'avance. Numisto qui est le plus âgé des deux, à 43 ans, s'il vous plaît. On peut dire qu'il trotte encore comme un lapin. Van Birka, à sa décharge, a été blessé dans la deuxième épreuve et il n'a même pas fait la troisième, se contentant de disputer celle-là pour le plaisir. Le temps donc de Numisto est de 47 secondes 80. C'est un temps non officiel qui reste à être confirmé. On se prépare maintenant pour la prochaine course. À la gauche de l'écran, c'est l'Américain Paul Sheedy. Et à la droite, c'est Halti Arnason d'Islande. Mais pour Arnason, une course ici importante, lui qui est deuxième actuellement au cumulatif derrière l'Anglais Higgins. Donc il doit ici inscrire un très bon temps pour garder ses chances d'aller ravir le championnat mondial. Alors c'est Arnason qui a pris la tête. Chidi, on s'en souviendra, lui a été blessé dans la première épreuve. 9,73 aux 50 premiers mètres, Arnason va très 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 vite. On va voir le temps de passage aux 100 mètres. 20,89. 21,76. Alors, Arnason toujours en tête, Chidi se défend très très bien en dépit du fait qu'il a été légèrement blessé dès le début de la compétition. Chidi faiblit beaucoup pour se reprendre un peu sur la fin. Et Arnason va arrêter le chrono à 47-43. 47-43 donc pour Arnason. C'est 26 centièmes de plus que Numisto. Et ça pourrait lui coûter le championnat mondial. Revoyons la fin de cette course. Et ici, même s'il y a à peine 30 centièmes de seconde, eh bien, ça ne peut vouloir dire mieux qu'une deuxième place et ça coûte 5 précieux points. Ça coûte 5 précieux points, effectivement, Gérard. Ça joue très, très serré. Et on voit Arnason étendu au sol présentement, entouré des préposés à l'équipe médicale. Et c'est beaucoup plus un petit peu de répit qu'il recherchait, même si ce n'était pas tout à fait la place idéale pour le faire. En préparation maintenant, l'Américain Bill Kazmaier à la gauche de l'écran, jumelé à Robert Dubois du Québec. Et pour Dubois, on sait qu'il a un très bon temps de 45-54. Il est actuellement cinquième au cumulatif. Alors ici, s'il a un temps rapide, il pourrait améliorer son sort. Quant à Kazmaier, lui, il est quatrième après trois épreuves. 20 secondes 86 au 100 mètres pour Robert Dubois. Et c'est Kazmaier qui est en tête. Oui, Kazmaier est en tête, il lui fait une très belle lutte. Voilà les 50 derniers mètres. Kazmaier toujours en tête. Et Dubois qui tente de remonter sur l'autre, mais ce sera impossible, semble-t-il. Kazmaier maintient le rythme et la cadence, mais le temps sera très très bon. Oh là là. Oh, 42-63. Kazmaier a fait un temps fantastique de 42-63, ce qui constitue un nouveau record du monde qui appartenait auparavant à Tom McGee en 43-75. Exactement. Nettement battu. Revoyons cette fin de course, Jomar et Jacques. Fin de course superbe. On se demande avec 200 livres sur le dos où il trouve encore la ressource de pouvoir accélérer dans les 50 derniers mètres. Et Dubois est nettement dominé par Kazmaier, ce qui constitue quand même une assez grosse surprise. Et le plus extraordinaire, c'est que même Dubois battra par son temps aussi l'ancienne marque de Tom McGee. Oui. Alors ici, une course qui devrait aller très très vite. John Paul Sigmarsson à la gauche,
jumelé à Robert, ou plutôt Marco Fortier du Canada. Fortier qui a fait un excellent temps de 45-21. Et quand on sait que son compagnon Dubot, aspiré par la vitesse vertigineuse de Kassmeyer, vient d'inscrire un nouveau record, lui aussi battant celui de McGee, mais Kassmeyer a fait mieux. Alors que Sigmarsson est capable d'aller en 45 également, alors ça va être tout un coup. Fortier légèrement à l'avance après les premiers 50 mètres. 10 secondes 49 aux 50 mètres pour Marco Fortier. Oh, voici Fortier, maintenant la mi-course. Comme un bolide, touche la ligne à mi-course. 21-03 aux 100 mètres. Il ne faut pas qu'il fléchisse maintenant. Il se doit de pousser l'accélérateur à fond. Sigmarsson est semé. Mais ce qui est important, c'est le chrono maintenant. 150 mètres, 32-70. Ça va être très dur pour battre le temps de Kassmeyer. On passe les 40 secondes. Impossible. C'est un chrono de 44-01 pour Marco Fortier. Mais 44-01, c'est bon pour la troisième place présentement. Oui, et puis attention, notre ami Dubot avait battu le record du Québec de Claude Labonté en 43-57 et Fortier le frôle en 44-01. On revoit la fin de cette course. Alors, Marco Fortier qui a donné un effort incroyable. Mais cette très belle course des deux Québécois pourrait leur permettre de remonter en équipe à la deuxième place. Certainement. En tout cas, c'est un très beau doublé de nos Canadiens québécois, Dubot, Fortier. Les deux Anglais sont jumelés pour la dernière course. Reglone derrière et Higgins en avant. Et il faut absolument que Higgins inscrive un bon temps. Il a 10 points d'avance actuellement sur Arnason, au deuxième rang pour le championnat mondial. Oui, effectivement. Higgins peine un petit peu au centième mètre. 22 secondes 63. C'est près de 2 secondes de plus que Marco Fortier. Et Triglone est très très loin derrière. Alors pour être distancé, il faudrait que Higgins, nous rejoint par Arnason, termine plus haut que la sixième place dans cette course qui va se terminer pour lui d'une manière un petit peu chancelante. Quel temps, Jo? Moi, j'ai officieusement 48 secondes, 75 centièmes. Et pour lui, 48 secondes, c'est pratiquement dans la poche. Mais attendons. Après une chaude lutte, c'est donc l'Américain Bill Kassmeyer qui est champion du monde avec 50,60. L'Anglais Higgins est deuxième pour la médaille d'argent avec 48,30. Et Robert Dubot du Canada termine troisième pour la médaille de bronze avec 45,30. Arnason suit à 42. Sigmarsson est cinquième à 35. Fortier du Canada est maintenant sixième à 34. Reglome 23, Nomisto 21,60, Chidi 11, et pour terminer la marche, Funanam Vita 8,60. Et maintenant le classement des pays. Le Canada remporte la victoire de justesse avec 80,10 devant l'Islande, deuxième à 79,60. La Grande-Bretagne termine au troisième rang, 71,40. Suivent les États-Unis et la Finlande. Donc, le Canada remporte la Coupe des Nations. Retrouvons maintenant Camille Dubé en compagnie du nouveau champion du monde, l'Américain Bill Kassmeyer. Eh bien, le voici, le champion mondial des hommes forts, Bill Kassmeyer from the United States. They introduce you as being the new champion of the world. Wouldn't it be better to say still champion of the world? I think so. You know, there was no competition this year called World's Strongest Men, the one I dominated before. This was, by all the athlete standards, the competition for World's Strongest. You'll be back next year with your title on the line? It was a lot of fun, but you had a lot of work. Anything could happen. I surely would like to come back to defend my title. Are you waiting for an invitation, or are you going to train? You're only 30 years old, as a matter of fact, and I say only. You're still at your prime? I've got a lot of years of experience, but a lot more years if I want to keep doing it. The Diffie Mark 10 has taken strongman shows into prominence and before the public, and I think I've done a really good job at it. If they keep up the same work, I'll keep working hard and come back.
Well, hopefully you'll be back, and congratulations for your work this year. Thank you. And congratulations to the still champion of the world. Thank you very much. Voilà, Bill Gasmeyer, très heureux. En fait, il n'a jamais perdu de championnat. Toutes les compétitions internationales auxquelles il a participé, il les a remportées. Au cours des deux dernières années, il n'avait pas compétitionné. Il n'y en avait pas pour lui, selon lui. Il n'avait pas eu l'occasion de venir ici au Canada aux compétitions antérieures. Donc, personne ne l'avait battu alors qu'il était là. Il a toujours gagné. Et à 30 ans, et voyant ce qui se produit avec l'expérience du défi Markton, qu'il juge fort bien organisé, et avec un public de plus en plus enthousiaste, il dit, ben moi, ça m'inspire. Et même à 30 ans, c'est encore jeune. J'ai le goût de m'entraîner encore pour revenir défendre mon titre l'an prochain. Ce championnat mondial des hommes forts à l'univers des sports vous revient dans un moment. Et voici deux visages radieux. Robert Dubois, Marco Fortier, la Coupe des Nations. Est-ce que c'était inespéré ou attendu? C'était l'objectif. On l'a gagné, on est très satisfait. Oui, c'est ça, comme Robert il dit. C'est, sur le plan individuel, on ne s'occupait pas tellement de ça. C'est la coupe, on l'a, puis on va essayer de la garder l'an prochain. Est-ce qu'il y a une épreuve en particulier qui vous l'a fait gagner, Marco? Je pense que c'est la course. La course avec des sables, là, on s'est surpassés tous les deux. Puis c'est là qu'on a cherché le plus de points. Et la plateforme aussi n'a pas été mauvais. C'est dans l'ensemble, là, on a bien figuré partout, je pense. Vous avez décidé de sauter des poids, je pense que c'était à la brouette. Avez-vous eu craint un moment que ça joue contre vous? Non, pas du tout. On savait, moi, pertinemment, je savais que je n'étais pas capable de rendre 2700 livres aussi loin que Bill Gasmeyer l'avait rendu. Mais je savais que j'étais capable de soulever 2900 puis faire un bon petit bout avec, puis passer devant Bill Gasmeyer, puis notre stratégie a fonctionné. Eh bien, je sais que vous-même, vous vous êtes déjà appelé la lutte des petits culs. Bravo! Merci. À Robert et à Marco. Merci. Pour cette Coupe des Nations. Et j'ose espérer que l'an prochain, vous serez de retour et qu'on vous verra les deux sur le podium, sur le plan individuel. Bonne chance, messieurs. Merci. Et bon repos maintenant, vous le méritez bien. Pour l'instant, nous allons rejoindre Gérard Potvin et Joe Malajac pour un dernier commentaire de leur part. Trois records du monde, la Coupe des Nations pour le Canada et une compétition vraiment très relevée, Joe Malajac. Oui, vous pourriez même dire acharné parce que ça a été vraiment un combat de titans d'un bout à l'autre, c'est le cas de le dire. Alors, les records du monde, la plateforme 1900 livres par Arnason qui a fait des progrès remarquables. À la brouette, deux records tombent, c'est-à-dire, avec grâce aux Anglais d'ailleurs, Triglone qui fait d'abord 3000 livres sur 4m33 et ensuite Higgins derrière, qui a été quand même un des grands bonhommes de la soirée, qui fait 3000 livres, mais cette fois-ci sur 5m. Et enfin, Bill Gasmeyer, qu'on avait enterré peut-être un peu vite à la plateforme et à la brouette, qui vient se rattraper in extremis avec un nouveau record du monde aux 200m avec la charge de 200 livres sur le dos. En 42-70, quand on pense que Tom McGee avait fait 43-75 en 1985, on reste quand même un petit peu stupéfait. Les Québécois n'ont pas tellement démérité, bien au contraire, dans cette bagarre. Dubois améliore le record québécois du 200 mètres que Claude Labonté possédait en 45-09. Il fait 43-57 et derrière lui, Marco Fortier fait 43-86, qui est excellent. Ils ont amélioré leur record aussi, notons-le, à la brouette avec 2900 livres chacun. Sans oublier qu'au concours individuel, Robert Dubois remporte également la médaille de bronze. Merci, Joe Malajac, pour votre collaboration habituelle. Et nous, on s'empresse d'aller retrouver Camille Dubé et son invité, Daniel Poulain. Merci, Gérard et Joe. Et à Daniel, justement, je n'ai pas eu l'occasion de lui parler depuis que son record à la brouette a été battu. Est-ce que ça t'a fait quelque chose? Et oui, les gars, ils ont fait une très, très belle performance. C'est vraiment beau, M. Higgins, Triglowent. C'est un peu surprenant. Je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse ça. J'avais peur de Sigmarsson, mais Sigmarsson n'a pas dépassé la limite. Mais les records sont là pour être battus quand même. Il ne faut pas charrier, mais il reste que l'an prochain, c'est un nouveau trill futur qui va arriver. On parle déjà de l'an prochain. Ce soir, là, très rapidement, est-ce qu'il y a eu des performances qui t'ont surpris? Tu viens de parler de celle à la brouette, là, des contre-performances peut-être? Voilà. Sur la balance de la plateforme, il n'y a pas eu de surprise. Non, il n'y en a pas eu d'autres. C'est des records qu'on aurait pensé qui auraient monté plus haut parce qu'avec les gorilles qu'on avait, c'est que les performances étaient censées être meilleures. Mais ça n'a pas été des super records. Les gros records, c'était à la poche. C'était très bon. Gasmeyer à 42, quelque chose. Seconde, c'est très, très bon. C'est un gars et qui est très Daniel, vite. C'est Daniel, tu as maintenant 2 secondes pour me dire, l'an prochain, tu te relances dans l'aventure, oui ou non? Le défi Martin, l'an prochain, ne manquez-y pas. Bien, Daniel, on te souhaite bonne chance. Quant à nous, mesdames et messieurs, nous espérons que l'émission vous a plu. Ça a été plein d'émotions et nous vous invitons à la prochaine de l'Univers des sports. Au revoir du Forum de Montréal.
Faites aujourd'hui une escapade dans la nature. Grand Air, le magazine Chasse et Pêche, a compté de 17h. Et plus tard, les Canadiens affrontent les Pingouins de Pittsburgh. La soirée du hockey ce soir, 20h.